le stress monte. Un petit peu, ça fait. Oh, il se fait mettre devant les cheveux. Ah là, on y vient. Moi, je suis carrément en détente, je kiffe ma vie à Angers. Allez, hop. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le boss. On est carrément Angers. On est là, on est avec Joyka. Gros, ça fait comment la première vidéo ensemble? On vient de le dire, mec, c'est trop long. Moi je suis trop content là. Ah, ça fait plaisir. Dis, annonce un peu comment t'es organisé dans ta vie. Ça fait combien de temps on voulait faire ce tournage? Ça fait carrément 3 mois qu'on est censé le faire. À chaque fois on se dit, bon, allez, je finirai la semaine prochaine. Oh non, il pleut. Mais ça, c'est un jour avant que je te dis ça. Mais en ça, on est bien quand même. On veut que ce soit propre, on va tourner en extérieur, il faut aller du soleil. On veut qu'il fasse beau, que ça respire la bonne humeur cette vidéo. Donc. Parce que c'est quoi le concept? Le concept. Aujourd'hui frère, alors pour vous dire c'est de l'impro. Moi je suis un mec impro, toi aussi un peu. Tu m'as dit ouais moi ça me va, on est impro naturel, bings. Du coup j'ai dit à Joyka, j'ai un concept, après on improvise. Le concept c'est quoi? C'est on va se balader un peu partout, où on va parler etc. Et on va pouvoir parier sur des choses. Par exemple je te dis, toi tu vois le boulanger là, tu me dis je te parie 10 euros, t'arrives pas à avoir un croissant gratuit. Moi je te regarde, je fais j'accepte le défi ou j'accepte pas? Il y a les crescendo. Crescendo tu vois, 10 euros. Si j'accepte et que je réussis, tu me donnes 10 balles. Si je réussis pas, est-ce que je te donne 10 balles ou on donne rien? Ah le pari normalement c'est je te parie. Attends, non. Aïe, je t'ai dit. Il faut qu'il y ait le retour. Ok, bah il y a le retour. Donc si je réussis pas, je te donne 10 balles. Exactement. Ok, donc ça sera des petits paris comme ça. Et le but, bah c'est d'avoir la moins grosse cagnotte. À la fin de la vidéo, on verra qui a le plus perdu. Et l'argent qu'on perdra, on verra ce qu'on en fait. Bon, c'est très simple le concept. Très simple. Concept compris par tout le monde. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous, les petits refs. Mettre la cloche, vous abonner à Joyka. Bon, je pense que c'est tous déjà fait, hein. Mais bon, on sait jamais. Non, ouais, franchement, en vrai, je t'ai coupé, mais il y a masse de gens qui te suivent. Qui me suivent pas. Et je suis sûr qu'il y a masse de gens qui me suivent qui te suivent pas. Tu penses? Il va y avoir une fusion de communauté. Attends, YouTube, je me dis c'est tellement grand YouTube que tout le monde connaît tout le monde. Là ça va se fusionner là. Ça va carrément une fusion. N'hésitez pas à mettre. Allez, 350 000 pouces bleus, on refait un autre épisode à 4. Vas-y. C'est barré. C'est parti. Sur ce, bonne vidéo. Ça je voulais dire. C'est quoi? 10 balles que tu le plaques pas au sol. 10 balles là? Que tu le plaques pas. Mais au là sol. Je le mets en despi. Là, j'ai qu'un essai. 10 balles. Tu le plaques au sol. En fait, faut que je fonce là, que je prenne ici et que je plaque. Vas-y. Attends, mais c'est trop dur. Attends. Essaye, attends, laisse-moi une autre chance. Laisse-moi un autre essai. Vas-y. Attends. Je crois qu'il pèse, en vrai, je crois qu'il pèse 100... plus de 100 kilos, genre. 100. Mais mec, tu sais qu'il y a masse haut, les gars, je me rendais pas compte, mais... Vas-y, essaye de le plaquer. Faut que tu lui sautes dessus en mode ninja. Oh, tu l'as fait. Oh, t'as presque réussi. Oh, non, ça compte pas, ça compte pas. Faut y aller en mode chance. C'est bon, je l'ai, c'est validé. Franchement, c'est validé, one shot. Un peu fébrile, mais allez, vas-y, 10 c'est balles. Validé, allez, ça commence. Ok, ça commence. Attends, t'as eu 2 essais? Ouais. Si je le fais, je récupère mes 10 balles. Ok. Non, mais là, tu vas y arriver. On doit 10 balles chacun. Vas-y, 10 chacun. 10 chacun dans la cagnotte. Juste, c'est le début comme ça. Ah, vas-y. Oh bah voilà. On part, on se balade et on voit ce qu'on fait. Il fait chaud, ça. Ouais, 39 degrés. Mec, fais une prod avec ça. Rien que pour la vidéo. Bienvenue à Angers, tu fais ce que tu veux. Mec, tu sais les gars, c'est la première fois que je vais à Angers. En vrai, c'est une vidéo aussi où je vais découvrir un peu Angers, tu vois, tu vas me faire découvrir ta ville. Ouais. T'es plus ville ou t'es plus aller proche d'un lac, genre un lac. Moi j'aime bien les lacs et tout. Ah, okay, mais commence pas à aller vers les lacs au début comme ça. Ouais, il fait chaud de fou, mais commence pas parce qu'il y a des paris qui peuvent vite tomber sais, à côté de l'eau. On garde un peu le lac, ouais. Ouais, il y a pas longtemps j'ai sauté dans la mer. D'abord, on garde un peu. T'inquiète, je garde. Allez, on se fait un petit centre-ville. Comme ça, après, on peut trouver un petit resto. Et carrément arrivé dans un parking, les gars, il fait grave chaud à Angers. Là il fait chaud là, il fait 30 degrés là. Vraiment trop chaud. Là on va où là? Là on va aller en gros place du ralliement. C'est la place où il y a le plus de monde. Là sachant qu'on est le 9 juin où on tourne, t'es d'accord? Mais lui il veut que ça soit Zombieland là-haut. On va tester. Moi je pense que ça va être chaud. Parce qu'on voulait faire des trucs dans la rue et tout. Mais il y a moyen et s'il y a trop de gens. Bon ça se trouve il y aura pas beaucoup de gens donc ça va, mais on sait jamais, t'as vu. Ok, on voit l'extérieur. On est place de la liberté là. Ouais, nickel. C'est ça? Ralliement. Ouais. Ralliement, ah oui. Oh c'est grand en fait. Ah mais il y a des tramways et tout. Ah bah ça va, il y a pas beaucoup de gens. Oh. Ça va en vrai. Franchement, ça va. C'est les cours là, c'est les vacances. Oh la dinguerie. Là, on est sur la place, genre. On est sur la place d'Angers, quoi. La place d'Angers. C'est quoi les petits paris qu'on va faire là? On va faire des petits paris. Moi, je pense, par exemple, je sais pas, mais c'est une idée comme ça. Non, tu mais vois. Attends, commence pas. Non, mais je pense, c'est une idée, tu vois. C'est que moi, j'ai pas de couilles en plus dans la vie. C'est vrai? Ouais. Mais là, t'en as pour la commu. Ouais, pour la commu, j'ai des couilles. Donc, si t'as vraiment genre des couilles, genre un mec qui aurait des couilles, tu vois, il prendrait 50 balles pour aller en plein milieu là, au milieu de la place, ouais, et faire. Ouais. Non, mais t'as. Ouais. Toi tu serais choupi mon yannou. Toi tu serais chiche. Tu vas en plein milieu, tu cries. Attends, pourquoi tu me le retournes? Pourquoi tu me le retournes sur moi? Ça veut dire que je dois aller. Tu acceptes le pari ou pas? Si j'accepte le pari, je dois aller là-bas et je crie choupi papi mon yannou en criant. Ouais genre. Ou Ou chiche. Et ça se trouve les gens ils vont te suivre et tout, ça peut être dingue. Mais ils suivent, c'est incroyable. En fait comme ça tu me suis derrière, tu fais chiche.
Ouais, comme ça on est tous les deux. Ouais, on peut en, je peux en lancer un deuxième sûr. Mais gros, alors, faut, au pire, on demande à les abonnés de nous suivre. Moi je peux faire le pari. Moi si je fais le pari, je peux dire à un mec de me suivre pour pas que ça soit gênant. Juste ouais. Laisse-moi trouver un mec qui dit chiche avec moi. Faut un vrai mec. Un chiche qui sort des tripes. Ouais tu vois. Ah, c'est pas très Covid là. On peut pas, un Covid, on peut pas. Il est en train, non mais là, il est en train. Eh gros, j'ai son marque tous avec mais moi, non, mais gros, tu vas faire le quoi. Regarde le monde qu'il y a là. Bien joué, c'était pour 50 balles. Ça, je l'ai fait. Iskiel était bien fait. Il était magnifique. Ça franchement, merci à tous. Merci. Hein. Oh, Yannis, bon, ça va. Et merci Angers, on est carrément là. Ouais. Merci les gars. Ouais, il le refait. J'ai pris la conf là. Oh, de Paris, on va à la boulangerie ou on va, je sais pas, peut-être un bistrot ou un truc comme ça. Je connais une boulangerie. Ah ouais. Et tu dois avoir un truc gratuit. Je ressors avec un truc gratuit. Tu dois ressortir avec un truc sans avoir payé. Elle est la monnaie pour ça. Ça veut dire que si tu y arrives, je te donne 30 balles. Ouais, si tu arrives pas, tu me donnes 30 balles. Exact. Ok. Là, tu, la cagnotte, tu prends déjà, le risque ou pas. Déjà, t'as 60 et j'ai 10. Moi, j'ai 60, t'as 10. Ouais, t'as 60 quand t'as fait le chiche. Donc là, je suis bien. Donc à toi maintenant. Vas-y. Oh, t'as fait un record. T'as fait le plus grand chiche d'Angers. C'est vrai qu'on a fait le plus grand chiche d'Angers. Et en plus, il y avait toute la commune, c'était lourd. Là, on va. Moi, je vais dans. Ok. Tu vas dans une boulangerie. Tu la connais pas. Pas de triche. Donc, tu dois ressortir avec un truc gratuit. Monte le billet et je ressors avec le truc de ton choix. Ok, c'est bon ou pas ? 50 balles. Et je ressors avec quoi ? 50 balles, tu ressors avec. Moi, je veux que tu prennes le truc ultra cher dans la boulangerie. Tu prends le truc le plus cher dans la boulangerie, on le fera un mec dehors. Plus cher et genre. Gratuit. Tu dois trouver une solution de l'avoir gratuit. T'es confiant hein, pour le faire, hein, parce qu'il est sur le défi. Il est hein. Méga chaud, le truc le plus cher. Genre, je compte, je vais dire, c'est quoi le truc le plus cher ? Non, au pire, tu prends un gâteau à 30 balles. C'est cher déjà. Malade, mec, toi, ils vont lâcher 30 balles comme ça pour 50 balles, je vais pas. Mais augmente la cagnotte, t'es où ? 100 balles. Et là, c'est la cagnotte, elle est. Gros, 100 balles. 100 balles, 100 balles, tu dois sortir avec un gâteau gratuit. Gros, si tu arrives, t'es un goat, hein. Les gars, s'il arrive, c'est un goat. Hein. Ça va bien ? Si je fais un petit snap avec toi, une petite photo. Vas-y, on fait une petite photo. Merci beaucoup, désolé. Attends, viens, ok. T'es prêt ? T'en as un autre là ? Moi, je te parie, il a deux frères et sœurs. 10€. Moi, je pense qu'il a juste un petit frère. T'as quoi ? J'ai un petit frère et deux sœurs. Oh ! Du coup, on a tous les deux perdus. Bah, non, tous les deux perdus. T'as dit t'as deux frères et sœurs ? J'ai un petit frère et deux petites sœurs. Et moi, j'ai dit un frère et une sœur. On a cumulé tous les deux, on est bon. Ouais, on est bon. Bon, bah, bonne journée. Bon, bah, on y était presque. Ouais, dommage. Dommage. Eh, les gars, on découvre Angers là. En plus, on voit les abonnés, ça me fait plaisir. Et bonne humeur. Franchement, ouais, bonne humeur. Ouais. On se tranquille. Bonjour. Hello. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire un pari ? On peut faire un pari avec vous. Ouais, on peut faire un pari. Attendez, on fait la photo. Et moi, je vous parie. Je parie. Dites pas la réponse. Je parie que la dame a deux enfants. Vous avez deux enfants ? Ok, moi, je parie. Elle a dit oui. Attends, vous dites pas. Hein. Moi je parie, vous avez. Toi t'as un grand frère et c'est tout. 50€. 50€ ? Un grand frère, donc deux enfants. Deux enfants, un grand frère et. Et elle. Ouais, mais t'avais pas dit grand frère. Mais non, mais j'ai dit deux enfants. Ouais, c'est vrai, t'as gagné. Bah, ça va, ça augmente. On a gagné tous les deux. On a gagné tous les deux. Merci. Et on a tous les deux gagné. C'est bon ? Vas-y, c'est bon. Bien vu, bonne journée. Bonne journée. À la prochaine. J'ai un plan d'attaque, gros. T'as un plan ? Ouais, j'ai un plan d'attaque. Alors, comment tu vas faire pour avoir un truc gratuit dans la boulangerie ? Très simple. La Kogane, je vais dire, écoutez, je vous fais une story. J'ai 2 500 000 abonnés. Oh, il joue de ses atouts. Il joue de ses atouts. Là, gros, bah, attends. 100 balles. Là, okay. Je disais, easy free win. Regarde-moi bien. Vas-y, je te regarde. Regarde le sourire. Vas-y, je regarde bien. C'est parti. À toi de jouer maintenant. Vas-y. Bonjour. Ça va bien ? Vous connaissez ? Ça va bien. J'avais juste une petite question. Je voulais savoir si je peux vous prendre. C'est quoi le plus cher que vous avez dans la boulangerie ? Genre le gâteau ou la pâtisserie la plus chère ? Voilà, Momo. Le stress. Un petit peu, ça fait. Attention. C'est la quiche entière. Elle coûte combien entière ? 2,50 la part. Il y a 107 parts. Gros, ça fait cher. Imagine. Il y a 10 parts. 25€, c'est le truc le plus cher de la boulangerie. Ok, alors. Est-ce que je peux obtenir cette magnifique quiche en échange d'une story pour la Kogane sur mon compte Insta ? J'ai 2,5 millions. Attention, roulement de tambour. Ça va voir le patron. Il appelle le patron. Oula, Momo. Ou le stress monte. Si tu ne réussis pas, c'est 100€ dans ma poche. J'avoue, ça fait. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein, les 100 balles. Ah, ça fait mal en vrai. Je vais réussir, gros, c'est sûr. Allez. On la partage. C'est une. On la partage. C'est un vrai coup marketing. C'est de la stratégie commerciale, hein. C'est de la stratégie commerciale. Et c'est ok. Oh. Oh le bâtard. La cagnotte monte à. Et là, tu vas faire la story, ouais. On part sur la story pour la Kogane. Oh là. La quiche. La quiche entière. Ouais, elle va être carrément trop petite. Maxi quiche. Maxi quiche ta, gros. Dans le porte-monnaie. Elle est prête. Les Kogan, c'est la boss. Déjà dans la vidéo. La Kogan, c'est la boss. C'est les boss et il faut faire la story. Tout est calmé, à toi de jouer maintenant. Le défi est carrément réussi. Gros, je suis choqué, t'as réussi. Est-ce qu'on la goûte ou pas? Elle est lourde ou pas la quiche, je pense? Je t'avoue, moi j'aime pas trop les quiches, je préfère les quiches. Franchement, moi je m'attendais à. On va voir le patron, moi je m'attendais à un refus. Ouais, moi sec. Je m'attendais à. C'est qui lui? Il se prend pour qui? Ouais, c'est qui dans l'e-sport? Non, c'est qui? Et genre, vas-y, non. Attends, non. Triche, c'est pas de la triche, les gars. Il a vraiment eu. Il a réussi. Hein. It's not the lol, là. It's de vraies quiches, Lorraine, là. Ah ouais. Je tape un petit croc léger dedans juste pour goûter. C'est bon. Dégustation. Mais vraiment pour le coup franchement elle est incroyable. Elle est bonne ? Elle est vraiment bonne. C'est la meuf qui va passer ? Ouais, moi non, moi je te connaissais pas comme ça. J'ai pas dit ça pour vous. Ah ok, désolé.
Ça va bien? Ah, j'ai eu peur. Ah, moi aussi, j'ai eu trop peur. Et c'est ça, on est dépile en même temps. Vous voulez pas une part de quiche? Ok. Moi non plus. Eh gros, y'a trop de gens. Quoi? On en veut plus de la quiche. Mais gros, elle doit être lourde. Viens, on l'offre à quelqu'un. Faut l'offrir à quelqu'un. Bonjour monsieur, vous voulez une quiche? Est-ce que vous voulez une quiche entière? Vous voulez pas une quiche? Personne veut de quiche. Ok, bon, vas-y, c'est bon. Ça fait quoi là? Là, ça fait qu'on est dans une rue où il y a un peu des bars, tu vois. Ouais. Et genre, je sais qu'on va pas taper dans l'alcool et tout, pas bien. Non. Mais je connais un endroit où il y a un cocktail. Un cocktail qui. Un peu caliente. Qui danse la salsa. Y'a quoi dans le cocktail? Dans le cocktail, y'a. Ouais, il est rouge un peu déjà. Il est bon et tout, du fruit. Ouais. Mais y'a peut-être un petit piment allongé dessus, tu vois. On m'a dit d'or. Dans le cocktail. Ouais, dans le cocktail. Et le but, c'est de boire le cocktail, tu vois. Ouais. Par exemple, en 3 secondes. Ok. Et manger le piment direct. Taper un croc dans le piment pour avoir toutes les saveurs, tu vois. Oh, ça doit être dégueulasse. Ouais, je pense en vrai. Vas-y, tu me mets combien pour ça? Moi, je te propose. Est-ce que tu le fais? Tu le fais pour. Vas-y, je vais te mettre comme pour la quiche. Un peu plus. 150. Je le fais pour 50. Ouais, mais gros, bah ok. Je le fais pour 50 larges. Franchement, si je le fais pour 50, tape un petit croc aussi derrière. Vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y, viens, on le fait. Voilà, ah, y'a le cocktail. Oh, il est bon, hein. Oh, il a pas une tête agréable. Donc le piment, si tu veux, il est tourné autour. Ça, t'as le cocktail, le regard électrique. Ouais. Donc avec le piment qui est incisé, qu'on tourne autour du verre. Ouais. Et voilà, et le piment, il arrache. Arrache. Ça arrache. Je dois le boire en 3 secondes, c'est easy ou pas? Ouais, ça va. Ça va. Le cocktail, il est plus facilement. Je le bois en 2 secondes. En 2 secondes. En 2 secondes. Secondes. En 2 secondes. Donc c'est un. Tiens. Tu vas l'absorber. Je l'absorbe. Attends, c'est là. Regarde comme il est beau et tout. Voilà, là. Attends, ça, le bord il pique. Le bord il pique, ça met. Ça se voit, le piment il a slide sur les côtés. Oh mec, il me donne pas. 3 secondes, 3 secondes. En vrai, vraiment 2 secondes là, ça paraît peut-être pas la cam parce que t'as grand angle. Ouais. Il est épais. Les gars, il est épais le machin. Il est épais, hein. Non, non, c'est pas des lol. Je sais pas si on boit bien. C'est pas des lol le cocktail. On a mis un verre de lait à côté. Et merci les produits utiles. Tu sais qu'en plus je suis enrhumé et tout, ça va m'arracher. Tu vas être trop bien. Je pense que ça va. Tu sais que ça va me soigner, je pense. Ouais, je pense. C'est parti. Ok. Oh, c'est débile. Le petit croc. C'est pas un petit croc là, celui-là. Mais... Bois. Attends, là. Bois le lait. Ça a été instantané. Attends, j'ai renversé tout le lait. Je vais nettoyer. J'ai fait tomber tout le lait. Bon les gars, ça va, le piment il passe. C'est le cocktail qui va passer. Ah, ouais, ah non, le piment il pique quand même. Ah ouais, carrément, ah. J'en ai un 9. J'ai dit que je te suivais. J'ai pas aimé ta réaction là. Vas-y. J'ai pas trop aimé. Mais moi, c'est le cocktail cul sec qui m'a fait mal. Allez, croque. Mais tu vas voir, ça va, y'a pire comme piment. Ça va en vrai. Ça va. Ça va pas? Mais non, ça va pas. Ça va pas. Ça va bien se passer. Défi, réussi. Ouais, franchement réussi, bien joué. Je te parie 30 euros, personne qui prend ta quiche. Ouais. Personne qui te la prend, tu vas te balader. J'accepte le pari par principe, personne prendra. T'es d'accord qu'il y a personne qui va la prendre ta quiche? Il y a des petits qui sont partis, regarde. Ouais, mais. Il y a une évolution. Ouais, mais c'est que les potons qui les prennent. Paris 100 balles, t'es pas chiche. Ah, bah, tu rentres dans la boutique, tu t'habilles en clown. Ah non, frère, non, pas pour 100 balles, jamais de la vie pour 100 balles, t'es un ouf. Si tu devines le nom de la dédicace, tu donnes 100 balles. Ultime. Mais moi, je te parie, ça va être une dédicace pour un pote et pas pour la famille. Ah oui, mais bien sûr, c'est pour un pote. Mais il est facile, hein. Non, le pari est trop facile. Big up à Brice, à mon quartier, Belleville. Vas-y, bienvenue, mon ref. Bonne journée. Pour Paris 100 balles, tu t'accroches pas au petit train pendant au moins 1 minute, genre. Ah, mais tu veux que je monte dans le train là? Tu t'accroches et il va te fumer. Mais il va me fumer, le conducteur. Je rentre en mode bas les couilles. 100 balles. Côté passager. 100 balles. On rentre, on s'assoit jusqu'à ce qu'ils viennent nous voir. Ouais, vas-y. 100 balles. Moi je le fais, moi. J'ai la quiche dans les mains, j'en veux plus là. On rentre dans le train ou pas? Vas-y. Moi j'ai une quiche. Ouais. Attends. Moi je peux pas rentrer. Ah, il te voit, attends, il te regarde dans le métro. Il t'a bien regardé, il t'a bien stop. Gros, il a mis. Il m'a mis un regard de daron. Regard de daron qui dit non. Ouais, ouais. Pour 20 balles, vous me débarrassez de ça? Mais wesh. Pour 20 balles, vous me débarrassez de la quiche ou pas? Pour 20 balles. Ouais. Oh, t'es un bâton, oh sale. Oh le tricheur. Oh le tricheur. C'est de la triche, ça. Pour 5, je le prends. T'es con, toi, mec. T'es le boss, mais il est. Ah, c'est un crack. T'es un crack. T'es le meilleur. T'es vraiment toi, t'es un crack. T'as gagné une quiche. T'es un crack. Ah ouais, franchement. Lui, c'est le meilleur. Bien vu, mon ref. Non, mais on est d'accord que c'est toi qui devais lui donner 10 euros. Je lui ai dit pour 20 balles, tu me débarrasses de la quiche. Sauf que lui, il a compris l'inverse, il te l'a acheté. Mec, ah non, mais lui, c'était un crack, je vous le dis, moi. Tout le monde est sympa, Angers. Mais regardez-moi ces craquitons qu'on croise en ville là. Les gros, en plus. Refais l'action. Je suis arrivé là. Oh.
Eh gros, la vie de ma mère. Eh, j'ai cru que vous l'avez vraiment écrasé. Eh, j'ai cru que t'allais te battre, hein. Eh, mais on monte avec vous. Ouais, putain. Vas-y, on grimpe, vas-y, go. Oh, j'ai eu trop peur, frère. Coupez la cam, les gars, je me suis dit, va y avoir une dinguerie. Vas-y, on rentre vraiment. Oh, excuse-moi, Aga, c'est bon, la vidéo elle part en improvisation. Ah non. Ça dit quoi, les gars? Ça dit quoi, Ça dit quoi? Moi j'aime bien, hein. Tu aimes quoi, gros? T'aimes quoi? Ça veut dire quoi, gros? Désolé. Je trouve ça grave chez le bébé. C'est une ambiance bizarre dans la... Moi j'adore ça. Oh frère, c'est une ambiance bizarre. Attends, je t'explique, j'étais le point d'intersection de ces deux vidéos, en gros. Je savais, moi, qu'ils allaient s'arrêter ici. Mais non. Et on a tout monté le plan, on m'a fait des semaines là. Mais vraiment? Mais oui. De base, lui il devait pas être au courant, sauf que nous on fait notre vidéo, on interpelle des gens qui nous reconnaissent et tout, ils font hey, y'a Inox, c'est normal. Mais non. Avec Théo on avait monté un truc, on avait monté un plan pour vous deux, genre. Mais vous êtes trop chaud, les poumons. Attends, mais là c'est quoi là? Attends, ah oui, parce que là les gars on est aussi dans leur vidéo là. Alors vous faites une vidéo Paris, c'est ça? Ouais. On fait une vidéo où genre en gros on accoste des gens en voiture. Pas rigoler, genre imaginons j'accoste quelqu'un là et je lui dis excuse-moi, ça te dit genre tu montes dans la voiture et on fait vas-y montre-moi, vas-y on te regarde. On tient à dire juste que le gars, celui qui rigole le plus, il doit faire un clip en entier en slibard. Tu connais vos rappeurs en slip sur Twitter? Oh non, mais vous êtes des baisers. Ouais, vraiment on va le faire, tu vas arrêter, excuse-moi. Je voulais juste savoir, on a un plan, on n'arrive pas à se connecter à internet, il faudrait que je retrouve un truc. Je vais vous sortir le plan, vous avez une seconde? Oui. Ok. Ça c'est... Tiens, excuse-moi. Tiens. J'ai pas le plan. Putain, j'y retrouve pas le plan. Tiens, excuse-moi. J'en retrouve pas le... Je suis désolé. Désolé. J'avais ça. Oh, ça, c'est pour les... Ça, c'est pour le... Gros, t'as pour l'anal. T'as acheté un dildo pour la vidéo. Comment on éteint? Frère, ça s'arrête pas de vibrer. Comment on éteint ton truc? Il marche pas. Les gars, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Mais quoi, elle l'a vu ou pas? Pourquoi tu l'as vu? Il ne s'arrête pas de vibrer. Est-ce que vous voulez faire un pari là en deux spies? Je sais pas ce que c'est exactement. C'est genre vous pariez. Tu veux me donner un pari? En fait, le bail c'est quoi? Et par exemple, tu dis, tu vois, il y a des guitares là. Ouais. Bah, je te parie 100 euros, t'arrives pas à sortir avec une guitare. Oh. Gratuite. Gratuite. Guitare gratuite. Et 100 balles. Ouais. 100 balles. C'est-à-dire, on attend dans la voiture, tu dois sortir avec. Qui? Fou. Ouais, Mi. À toi, gros. J'ai trop la haine. T'as trop la haine. Tu veux y aller? Ouais. Et tu penses qu'il va sortir avec une guitare gratuite? Allez, vas-y. C'est impossible, il va jamais lui acheter une guitare. Moi, je te jure, je pense qu'il y a moyen que je reparte avec une guitare. Toi, tu vas tester après? Bah non, parce qu'il y a un autre magasin. Mais genre là, je suis sûr, mec, il y a trop de moyens. Moi, attends, tous les moyens sont bons. Ah non, mais c'est une guitare gratuite. J'allais dire, je vous paye 4 guitares. Non, t'as pas le droit. Des guitares gratuites. Guitare tu dois sortir avec la guitare. Ok, les refs, je vais devoir prendre une guitare. Bonjour, messieurs. Écoutez, nous sommes une team de youtubeurs. On fait des vidéos sur YouTube. Et là, on fait une vidéo défi. Ça veut dire là, mes potes, ils m'ont défié de ressortir d'ici avec une guitare gratuitement. N'importe laquelle, la plus pourrie au sol. Si vous me donnez une guitare n'importe laquelle, je vous fais une pub sur Instagram. La pire guitare possible, si vous avez. Vous pensez que c'est foutu ou pas? Ils y croient pas là dans la voiture. Ils y croient pas. Et je pense que si on ressort avec ça, vous les calmez et vous les faites taire. Et en plus, j'ai gagné. Et vous voyez. Ouais, mais enfin, ça, je m'en fous. Vous en foutez de ça? Fassiez bon usage. Ok. Je veux pas que vous me la pétiez. Non, je vous la pète pas. Que vous la pétiez, je vais vous la donner. Oh monsieur, mais j'ai envie de vous faire un câlin. Non, merci. C'est pas monsieur qui m'avait donné, qui m'a mis une guitare pour une petite fille de 5 ans pour changer les cordes. D'accord. Et en fait, si vous voulez, vous voyez passer vos doigts là. Voilà. Ah oui, c'est dangereux, ouais. Oui, bien sûr. Donc je lui ai dit, écoutez, moi je vous change pas les cordes là-dessus, parce qu'une petite fille pourra pas jouer sur une guitare comme ça, c'est dangereux. Ah ouais, je comprends. Donc il m'a dit, bah écoutez, vous l'avez. Mais non, monsieur, vous êtes le boss qui va sortir avec une guitare et Inox, il va fermer sa bouche, les refs. Ouais. Vous êtes le boss, monsieur. Allez, filez. Merci, monsieur. Hein? Mais quoi? Attends. Waouh. Attends. Oh, quoi? Attends, mais quoi, l'histoire, mais c'est quoi ta chatte là? Mais carrément en balade dans Angers là. En vrai c'est lourd Angers, hein. Les gars, Inoxtag et Joyka place du ralliement. C'est des enculés. Avec tout le monde. Mais mec, viens, on se casse. Allez, bâtard, les gars. On fait tous ensemble. Ah oui. T'as vu, c'est bon? Bonne journée. Eh, ils vont se faire arrêter. Ils vont se faire arrêter par les flics. Ils se font arrêter par les flics. Regardez ça. Ils vont se faire arrêter. Ah, ils se font arrêter par les queues. Arrêtez par les queues. Eh, bonjour. Karma. Et karma. Moi, je suis mort de rire. Karma. Oh, je suis mort. Regardez, je suis mort. Pas de chance.
Ils ont pas. Oh, mais tu es trop con. Non, mais ils sont trop cons. Ils ont crié dans toute la ville. Oh non, fais des photos. Non, non, on est tranquille, on peut se barrer. Eh, y'a rien qui va dans cette vidéo. Y'a rien qui va, gros. Y'a rien qui va. Attends, parce que là, je suis. Là, ils sont en train de faire contrôle, t'es allé les voir. Je suis allé les voir et j'ai fait genre, je voulais récupérer un truc. Ouais. J'ai passé la tête, les gars, j'ai oublié. Et je suis ressorti, le mec m'a dit. Bougez de là, jeune homme. Bon, en vrai, c'était cool ce petit tour dans la ville d'Angers là. Les gars, là, on a fini dans une petite forêt. Le cas, il m'a emmené dans un petit endroit, il y a des bateaux. Il y a des bateaux. Ouais, ah ouais, mais en fait j'avais zappé moi. Pourquoi je t'ai emmené là, mais je sais même plus ce qu'il y a, je lui viens jamais. Viens, on prend un bateau. Mais viens, on prend un bateau juste là même, sans Paris, on prend un bateau. La vision, sans Paris, on prend un bateau. Vas-y. Regarde, il y a des bateaux, les gars. Rien à foutre, on prend un bateau. Franchement, on peut avoir même veut pas. On lui dit, vas-y, on va retirer. C'est dealé, on prend un bateau, la vidéo, on prend un bateau. Mec, je me crois en vacances. Ouais, c'est ouais, en vrai, là un peu. Mec, ça tue sa mère. Hop. On engendre. Je viens jamais, moi. Tu viens jamais? Mais mec, c'est trop bien. Petite question, est-ce qu'on peut louer un bateau? Ah ouais? Ah, y'a peut-être moyen. Ça va bien? Ouais, ça. Et ouais, y'a le club de kayak. Après, je vous dis, mais. On peut louer un kayak. Ouais, par contre, kayak. Quoi. Kayak? Mais ouais. Si je mets ma cam dans le kayak, je vais pas me renverser. Faut que je tombe à l'eau, quoi. Faut que je tombe à l'eau, quoi. Mais ça craint pas. Mais non, c'est des gros trucs qui sont en bas là. Normalement, ils se retournent pas. C'est bon, les gars, il a dit oui pour le kayak. Petite balade là. Petite balade en kayak. Première fois pour moi. Mec. Ah ouais? Bah, c'est vrai que moi, c'est rare que j'ai fait du kayak. Alors, monsieur, expliquez-nous le brief pour faire du kayak. Vous allez partir sur le kayak de place. Le plus expérimenté à l'arrière, c'est lui qui fera la direction. Ça va, les gars? Ça range les kayaks? Voilà, c'est une voile là. Alors les gars, je m'équipe, on va carrément faire du kayak ensemble avec ma cam. Si ma cam tombe dans l'eau, je suis mort, je vous le dis, je vous embarque avec moi. Mais je stresse de fou, mais tout va bien se passer, j'ai confiance. On a carrément les pagaies ici, ça va carrément être carré. Voilà, t'as les pagaies ou t'es pagaies? Elle est bonne ou pas? Elle est pas mal. Bon, c'est toi qui pagaies, gros. Non mais gros, te parie. Ouais, ça se voit, t'as un corps plus musclé que moi, t'as vu? Vas-y, je fais une petite ajuste. Ah mais ouais, une petite claque dans le cul là. Oh! T'as kiffé ou pas? Ah, j'ai kiffé, bien sûr que je kiffe! Oh, j'adore! Et là, on est une vraie Dex! Hein. C'est tous nos potes, monsieur! Ah ouais? On a des potes dans toute la France! On s'est fait des potes sur internet, quand ils nous voient, ils nous disent bonjour! C'est cool, internet! Hein. Ouais, c'est sympa! C'est magnifique, internet! Comme le lieu, magnifique! Ah, vous voyez le lieu? Hein. Moi, le lieu est magnifique! Ça fait 30 ans que je travaille ici, j'adore le lieu! 30 ans, on s'en lasse pas, quoi! On s'en lasse pas! C'est magnifique! Je forme des jeunes depuis 30 ans et j'adore ça! Vous avez déjà fait un petit barbecue avec des potes? Ouais! Oui, forcément. Ah bah là ça doit être carré hein. C'est mes jeunes là qui sont là et ils jouent ce week-end, ils partent, je les emmène à Paris, ils jouent la sélection pour l'équipe de France jeunes. Ah ouais, mais on est dans un truc de compète en fait. C'est pas des lol. Ça fait 3 ans j'habite Angers, je savais même pas. Eh mec, Angers sont chauds en kayak alors. Ah bah non, on est chaud. Angers, vous êtes chaud au kayak quoi. Moi aussi je suis chaud. On a la meilleure française en kayak de course en ligne. Je pense solo. C'est magnifique. Vanina Paoletti. Vanina Paoletti. Vanina Paoletti. On retiendra son nom. Il sera gravé. Le 200 mètres, je le fais en une minute. Eh ben, viens, on teste le 200 mètres. Ouais. Le 200 mètres, je vais vous chronométrer. Même. Ah ouais? Ok, ouais, okay on note. C'est quoi votre prénom? Benoît. Ok, Benoît. Bah, Benoît, on veut le temps. Tout à l'heure, les gars, on va faire le test là. On veut le temps. On veut notre temps en 200 mètres. Là, on fait en détente. Et après, on fait en ça. On le fait en ça, c'est ça. Les gars, les canons, ils sont là. Ils sont balèzes, hein. Ouais, ils sont balèzes, hein. Tu feras pas 40 secondes au 200. Mais c'est un bateau de croisière là. C'est pas un kayak, frérot. C'est le Costa Rica là. C'est lourd ou pas? Mec, il a l'air lourd, hein. C'est lourd. Tu vas où? Je vais devant. Toi, t'es le moteur un peu. Toi, t'es le moteur, toi. Je suis le moteur. Vas-y, je monte devant. Les gars, on va faire du kayak. Eh, elle est chaude l'eau. 17. C'est pas ouf. Ah ouais, ouais, elle est fraîche. Mais attends, comment il tient dedans le frérot? Comment il tient dedans? Ça fait à peu près. Wesh! Mais en vrai, t'as un niveau toi aussi, Benoît. En vrai, t'es chaud. Oui, moi, oui, ça fait Benoît, t'es dans le truc quoi. 40 ans de kayak, mais quoi? 40 ans? 43 ans. Ah oh, ouais! T'es un ancien, Benoît. Mais le 200 mètres, tu le fais en combien de temps? À peu près 41, à peu près comme Mais quoi? Ça veut dire que tu peux être au jeu. Bah, chez les filles. Ah ouais, chez les gars, c'est combien de max? Chez les gars, c'est combien? Ça descend à 35, 36. Ah ouais! Secondes. Dans les commentaires, un maximum de. Merci Benoît. Et merci Benoît. Benoît, tu vas devenir une star aujourd'hui. Oui. Tu vas devenir la star d'Angers. Eh, hey, tu me feras essayer ton bâton. Tu veux? C'est dur à conduire dans ça? Ouais, un peu ça. Moi, si j'y vais, je tombe. Ouais. Viens, je teste après. Vas-y. Vas-y, tout à l'heure, je testerai alors. C'est ton bâton. Eh, hey, Jaika, on teste tous les deux. Je pense même pas de voir si évidemment, on teste tous les deux. Vas-y. Benoît, tu fais un pari avec moi. C'est S. Jaika, c'est bien le deal de la vidéo. On fait un pari, Benoît. Si je tiens plus de 5 secondes en pagayant dans ce bateau-là,
Tu m'offres une caisse de champagne. Ouais. Ça compte pour moi aussi ou pas? Ça compte pour Jaka aussi. On a deux essais donc. Deux essais. Est-ce qu'on a deux essais ou trois échecs chacun? Trois échecs chacun, l'a dit. Il est sûr de lui. Eh, check-le, je veux qu'il retienne. Hein. On va y arriver, Benoît. On est des surhommes. Donc, eh, réservez un de vous. Réservez-en un, je vais monter après. Gars, priez pour moi qu'elle tombe pas dans l'eau, s'il vous plaît. T'es prêt, Jaka? On y va? Allez, go, j'y vais. Allez, let's go. Oh, je suis bien là. Ah là, on est bien. On est très très bien. On est très très bien. La vidéo, je kiffe ma vie, les gars. Comme quoi, les petits moments de la vie comme ça, ça nous a coûté 14 euros. Et Théma, on a une heure de pagaie tranquille. Gros, s'il te plaît, on fait pas tomber le bateau. S'il te plaît. Impossible. Là, franchement. Non, arrête. T'es un bâtard. Il veut pas tomber. Mec, faut pas qu'il tombe. C'est vrai qu'il est stable. Oh les gars, là on dirait pas on est en Thaïlande là. Mec, on est trop bien là. Oh mec, je suis reposé là. Oh, c'est bon. Je suis bien, j'en ai juste de laisser. Ah, mais bon, héros. Là, je suis au soleil, en détente. Les gars, j'espère que vous kiffez la vidéo. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis carrément en détente, je kiffe ma vie à Angers. Et voilà, tu connais hein, en détente hein. Benoît, il arrive, il est énervé là. Eh hey, Benoît, regarde-le. Hey, Benoît, il est carrément dans le truc. Eh hey, t'es arrivé en mode gars. En furtif. T'as un mode furtif là. Avec tu nous emmènes? Ils sont là-bas. Tu vas nous tracter en bateau comme ça? Là, je te dis, ils préparent les sélections équipe de France jeunes. Ok. Tu vas voir ce que c'est. Escorté par Bobo. On est escorté, mon grand. Ah, tu vas voir Titouan qui est en rouge là, il fait du 20 km. Le rouge là? Vas-y, on va le regarder. Oh, déjà il va vite là. Le meilleur junior l'année dernière. Le mec en vert? Ouais. Le rouge, il est en. C'est un des meilleurs U23 français. Ils ont 23 ans? Moins de 23 ans, il a 21. Wesh, t'es un champion toi. On savait pas que t'étais un champion de kayak. On savait pas, ouais. Mais non. Eh, tu nous fais une démonstration. On va faire un 150. Ils veulent te filmer. Allez, pour les abonnés. Ah ouais, mais nous, on est livrés à nous-mêmes, là. Ah, mais oui. Ils nous abandonnent. Eh, nous, on reste là, Benoît. Ouais. Ils vont faire partir, ils vont passer juste devant vous. Ok. Vas-y. Eh, gros, il nous a laissé en plein milieu du lac. Il nous a placé, c'est lui qui fait la vidéo, là. De fou. Les gars, je kiffe mon séjour à Angers, c'est bon, je kiffe ça. Oh, sa mère, t'es mal, mec, en rouge. Oh, le vert. Mais wesh. Mais il est trop fort le mec en vert. Mais gros, attends, t'as vu comment ils vont vite? Ils vont plus vite que le mec avec son moteur. Moi je les vois même plus. Les gars, nous pour vous dire, on allait à 2 km/h gros. Mais je pense en fait le bateau qu'ils ont, t'as vu, doit même pas sentir que t'es en bateau. Il doit tellement léger gros. Ça doit glisser comme ça là. Comme quand tu. Oh non, moi je suis jamais rentré donc je sais pas. Chiii Paris, combien tu sautes dans l'eau là? Oh non. Sûr. Ah, ah. Il fallait qu'il vienne celui-là. Franchement. Mec, l'eau elle est. Elle donne vaseuse. Elle donne vraiment pas envie. Le pire c'est qu'après moi, j'ai pas de truc de rechange à part mon caleçon et mon t-shirt. On a rien de rechange. Non, tu disais combien? Moi je dis Paris, je saute là maintenant tout de suite. 200. 200, tu sautes dans l'eau. Saute dans l'eau. Putain, je viens de l'acheter. J'ai encore l'étiquette. Mais gros, tu sais que moi j'aurais trop le seum de sauter là. Commence pas à faire un saut où moi je peux tomber. Vas-y, allez-y. Mais c'est stable. Arrête. Les pagaies flottent hein. Vas-y, tombe. Oh, elle est froide. Là, tu vas gagner. Arrête ça. Par contre. Il y en a un en plus, t'as pas peur de l'eau, il y a un en plus, vraiment, il est énorme, arrête, Eh, hey, c'est qui est tombé en premier, Benoît? Ah, je crois que t'es tombé une demi-seconde devant. Ah ouais? Voilà les frites. La cagnotte est grossie. Oh, la cagnotte. La cagnotte est grossie. Eh, pensez à la caisse de champagne tout à l'heure. Benoît, regarde-moi bien, tu vas nous offrir une bouteille de champagne. Ah, une caisse vois. Même, je dirais. Benoît, chiche. Comme un cri de guerre, quoi, un peu. Ok. Un cri de guerre. Allez, venez ici, je vous mets sur un 200, je vous promets sur un 200. Alors les gars, le 200 mètres, c'est la prochaine bouée juste devant vous, vous la voyez? Ouais, c'est celle-là que tu vois là. Vous êtes prêts? Ready, set, go! Allez, c'est parti les gars! Et voilà, c'est le premier 200 mètres de nos deux amis. Ils sont pas très synchro, mais bon. Go!
Allez, ensemble, les gars, ensemble. Ensemble, voilà. Allez, vous avez fait la moitié, les gars, la moitié. Ah ouais, Vanina serait déjà arrivée. Allez, allez, allez. Allez, la bouée jaune devant. Allez, les gars. Attention. Passage de la bouée. Hop, 1:50. 1 minute 50. Bien, les gars. Bien. Oh, ce bateau là, ouais, c'est pas mal. Voilà. Ah, on va tester le petit bateau là. Ouais. Allez, go. Les gars, pour vous dire, normalement c'est un an pour savoir faire ça. Tu vois souvent des petits clowns comme nous ou pas? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais, mais original alors. Ah ouais, mais bon. Ça va ou quoi, les reufs? Faut aller chercher les pagaies. Faut aller chercher les pagaies. C'est toi le premier. Vas-y. T'as la pression. Gros, tout le monde saute sur toi là. Tout le monde. Je le fais ou pas? Allez, voilà, voilà, voilà. Bien sûr que tu arrives. On est l'équipe de winners, nous. Noah, tu vas payer le champagne, Benoît. Il va payer, Benoît. On veut la caisse de champagne. On a trois essais. Attends, trois essais, ça veut dire je tombe. Regarde, la technique, tu tombes, j'y vais. Tourne. Ouais, j'y vais. On fait ça, on fait ça. Vas-y, vas-y, on fait ça. Ok, les gars, le bateau se présente comme ceci. On va vous tenir au début un petit peu. Benoît, fais-nous une petite présentation de ce bolide de course. Alors ça, c'est un kayak de compétition. Ouais. Il faut à peu près un ou deux ans de pratique avant de bien le maîtriser, d'aller vite avec. Okay. Ce bateau-là, il est capable de faire le 200 mètres en moins de 40 secondes. Magnifique. Et bah, let's go, mon ref. Ça pèse 7 kilos, genre. C'est trop léger. Putain, mais gros, c'est. Ouais, c'est tu peux toucher genre. Oh. Ah, mais oui, mais mec, c'est vraiment une feuille de plastique. Ouais, c'est une feuille. Hein. Allez, vas-y. Mais c'est trop dur en fait. C'est trop dur. Déjà, je sens que c'est dur. Oh, ce qu'on va faire, c'est que. Tiens, tu vas reculer, on va le tenir à l'avant et à l'arrière. Ça va faire là. Vas-y. Allez, les gars, on l'encourage. Allez, le ref. Rien que là, se mettre dedans, vieux. Allez, vieux. Attends, allez, Jolka. Contracte bien les abdos. Ouais. Faut que je pagaie 5 secondes. Et après, c'est comme le vélo, même pas payé. Je te demande. Pagaie, t'es un joueur. Tenir dans le bateau. Vas-y. T'es un joueur. Contracte bien les abdos. Là, je contracte à mort. Oh allez. Putain. Là, pour l'instant, on tire le bateau. Tu sais, eux qui tourne, qui lâche. 3, 2, 1, stop. Mec, je suis confiant, moi. Je suis confiant. Bon, pour Inox, là, ça le fait ou pas? Ouais. Ça va le faire? Gros, ça t'encourage très peu par contre. Ça, ça m'encourage pas. Ça le fait ou pas, Inox? Ouais. Moi? Personne n'y croit, j'ai pas besoin. Personne n'y croit. Non, pas sous le calpier. Pas sur le calpier. T'as un calpier là, t'as une planche, c'est voilà. Ça? Faut que tu mettes les pieds dans la planche. Les talons, ils touchent le sol. Allez, tu toi, il va lâcher derrière. Inox, lâche, on peut pas partir. Je te donne un petit peu de vitesse. Allez hop. Oh, attends, mais là, tu m'as mis un coup sur le teco là. Tu m'as pas mis un coup sur le teco là. Attends, mais je suis choqué, mais j'ai même pas. J'ai mais même pas le temps de me concentrer. C'est impossible, impossible. Quoi? T'as vu d'homme que je vais réussir. J'enlève le t-shirt. Eh, hey, on va y arriver ou pas? Non, on n'a pas le droit de tricher, les gars. Pas d'eau dans le bateau. Faut qu'on soit legit. Allez, deuxième essai. Mais wesh. Mais wesh, mais gros, c'est abusé. Mais en vrai, ça a l'air trop simple en plus. Au bout d'un an, vous avez réussi à tenir? Non, on tient pas sur ces bateaux-là, mais c'est à peu près ça. Deux ans? Ouais, deux ans. Mais hey, si pendant un jour tu t'entraînes, tu arrives? Non. La vie, toi, tu arrives pas? Mais juste, déjà... Concentre-toi, gros. T'as peut-être le move. Là, tu lâches? Dès qu'il lâche, vas-y. Là, il tient encore. Attends. Mais tu tiens un peu, là. Viens, t'essayes de lâcher. Là, je fais rien. Juste, essaye de lâcher petit à petit. Là t'as lâché? En fait c'est impressionnant parce que je sens dès que tu lâches. Ouais tu sens que ça... Ouais. C'est impossible. C'est impossible. Ok. Aïe 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 aïe. C'est trop dur. Mais gros j'ai trop envie d'apprendre gros. Bon si vous voulez impressionner des gens, allez signer une licence chez Benoît, vous impressionnerez des gens après. Allez, allez. Vous gagnerez tous vos paris. En gros on a perdu le pari contre Benoît. Ah Benoît, est-ce que honnêtement j'avais un potentiel? Ouais je pense que oui, t'as un potentiel. Il faut que tu viennes mais faut prendre une licence et tu viens t'entraîner tous les jours. Ouais c'est vrai. Faut la déterre aussi. Ah bah oui. Faut avoir le temps. Bah t'as le temps. Mais j'admire, franchement j'admire, c'est incroyable. Allez, allez le ref. Avant le dernier essai, ouais. Il me faut juste voir Titouan comment il fait. Attends, il va te faire une démonstration. Vas-y ouais, peut-être il va te montrer. Il va se mettre debout. Debout. Mais non, c'est vraiment le craquito. Ah, oui. Craquito du canoë. C'est, bon, c'est mon poulain ça. Ah Titouan le poulain. Oh, le crack. Déjà là, il est dedans. Déjà là lui, il a même pas besoin. Mais déjà il est arrivé smooth dedans. Mais trop. T'as vu comme il est. Mec il est trop bien. Mais wesh. Alors on fait deux coups. Allez,
Là tu peux te mettre debout. Mais non, c'est impossible, c'est impossible. Il va pas se mettre debout. Vraiment c'est choquant quand tu l'as testé. Mais quand tu testes en fait les gars tu te rends compte. Quoi? Ouais j'ai un crack hein. Mais lui il a un sac de... Wesh! Quoi? Quoi? Mais oh! Mais là le sang de gravité terrestre lui! T'es arrogant là! Mais attends mais gros, si t'arrives à te remettre et te rasseoir... Non mais non mais gros... Non. T'es un crack! Là déjà là... Oh! Oh! Ah dommage! Eh c'est incroyable déjà! Magnifique performance du joueur français Benoît! Ah bah ça... Ça c'est... Vous arrivez à faire Benoît? Je vais le voir! Quand j'avais 20 ans je le faisais! Ah là tu arrives plus là! Je me mets debout encore! Ah! Je me mets debout! Putain mais... Putain il est chaud hein! Un sport de fou là. Même moi, je connaissais pas. Tu sais, je viens de découvrir quelque chose aujourd'hui, Benoît. Je vais être fier parce que t'as fait. Même à tous mes petits amis d'internet. C'est pour ça, si on peut faire découvrir notre activité. Ah, mais là, plusieurs tous les petits amis d'internet, ils ont vu, ouais. J'espère vous avez bien aimé. Club de canoë avec danger. Ah, hein, t'as dit quoi? Club de canoë avec danger. Ah, la bonne petite pub là, qui fait plaisir. Bah, les gars, j'espère que ça vous a plu cette séquence canoë et kayak. Et dernier essai pour Joyka. On finit là-dessus, gros. Hey, Joyka. Si ouais. Tu arrives, je te suce. Enfin, non. Non, mais quoi, c'est un. Non, mais je te suce, c'est genre. C'est ce que vous voulez, mais. C'est une expression. Bon, ça, oui, c'est une expression. Ouais, je connais, je capte. Ok, pareil, je te suce aussi. Hein. Allez, le ref. Alors, attends. Moi, on m'a dit, prends la pagaie, appuie-toi sur l'eau. Je lance un bœuf. Concentre-toi, vide ton esprit. Attends, je vide mon esprit. Bon, attends, je vide mon esprit. Accélère direct. Là, c'est pas mal. Oh non! Mais gros, mais gros, non, mais il a même pas lâché, hein! Eh, il a même pas lâché! Il m'a fait tomber là! Et en fait, on dirait c'est lui, il fait exprès! Je suis sûr, des fois, vous me faites perdre le pari, il pense à tout le monde! Mec, il y a moyen! Eh, il y a moyen, il y a une magouille là! Faites exprès de faire le pari là, non? Ah non, non, moi je te dis! Non, c'est pas moi, je peux pas te choper, merde! Non, je vous fais confiance, je vous fais confiance! Donc là, on va aller acheter une bouteille, une caisse donc de champagne! Donc là, écoute, Benoît, tu ramènes une bouteille de champagne? Ah bah allez! Allez. Fais un cours demain si vous voulez. Bah tu sais quoi? Demain je te ramènerai une bouteille de champagne. J'ai les culs de parole Benoît. Ce sera dans l'autre roue de la vidéo. On fait deux épisodes du coup? Au limite sur ta chaîne, ouais, demain on rapporte. Demain on revient tenter. On revient ouais. Ah logique. Logique. Logique, logique. Bon bah c'était cool cette petite séquence kayak. Ah là c'est bien. Ah là c'est bien. Ok les gars, on va faire un mini boost capé. On est carrément dans le studio de Joyka le boss. Débat, on est carrément posé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Théodore? T'es avec nous en plus aujourd'hui. Mais on fait un son en délire. Moi je leur ai dit, il faut faire la petite West Coast un peu. Et let's go, on va passer une petite soirée dans le studio au calme. C'est parti, let's go. Carrément dans le truc ma moumou. Ouais. Allez Joyka, tu sais que là je te regarde en direct faire une prod, c'est la première fois de battre. Ouais, c'est la première fois. Allez, il est très fort. Je le regarde. Quand j'ai envie de zooker Inox et Joyka, tout le temps j'ai envie de leur mettre ma dans c'est le impossible. Tu connais, c'est comme ça que ça se passe. Mec, tout est cut, tout est cut. Tout est pas que t'as laissé ça. Non, mon rêve. Ah si. Mon rêve. Ça se passe, tout était faux. Vas-y là, oui, gros, t'es trop fort. Vas-y, vas-y. Là, c'est d'or. Là. En fait, c'est que le mouvement il est pas naturel. Ouais. Trop, les gars. On dirait ça, le son il s'élève. Comment ça il s'élève? Vas-y, vas-y, vas-y. Explique. Je sais pas comment expliquer. Vas-y, remets-le. Explique. Explique, sinon on va te soulever en écoute. On va t'enculer. Ouais. Les gars, là c'est beau. Et là, ça. Elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve. Elle s'énerve. C'est faux quoi. T'inquiète pas, t'inquiète. C'est pas faux, mais elle s'énerve. Allez, c'est moins doux. C'est mieux ou pas? Ouais. C'est un peu mieux déjà. Et ah, vas-y, je vais juste faire la jonction là et que ça fasse un glide genre. Ça peut être bien. C'est trop bien, j'aime trop. Elle est calée là pour en vrai. Mais ça va là. Moi j'ai des petits presets qui sont pas mal en vrai. Il est dark ce logiciel là. Évidemment il est joli. Évidemment il est dark. Évidemment je trouve joli le logiciel. Il est fatigué ça. Et je suis mort, mec, je suis mort. T'as voulu faire du son. Mec, évidemment je veux que dans mon outro ça soit le petit son. Mais la cloche, ça fait plaisir. Ah ouais. Mec imagine c'est vraiment ça. Merci. Ouais non c'est triste là. Triste là. La cloche s'il vous plaît. Merci d'être abonné. Merci. La cloche. C'est le pire son ever. Ah là, là ça vient vraiment genre insupportable. C'est vraiment. C'est nul. Eh là pour la vidéo faut que ça soit ça. Faut que ça soit ce que tu veux. D'avoir. Non non s'il te plaît. Mais t'es que c'est horrible. En fait c'est horrible parce que c'est ultra gâchis. Oh mais c'est horrible. C'est horrible à la fois parce que c'est claqué. Oh, mais c'est horrible. Vas-y mets là. La mélodie gâchis elle pète les filles. Pourquoi elle me roule? Pourquoi elle me roule? J'ai failli exploser mon crâne. Pourquoi ça en roule alors qu'elle était si bien?
Non mais je sais pourquoi ça ronfle. Parce qu'il y a un gars là, depuis 10 minutes il fait merci de vous abonner. Il l'a fait en boucle. Mais on a niqué la top line. Ouais, ouais, vraiment là, tu l'as bousillé. Tu l'as bousillé. Elle est bonne en plus, c'est ça. Elle est bonne. Ça, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. En vrai, je pense qu'on peut finir là-dessus. En vrai, ouais. Les petits refs, j'espère que la vidéo vous a plu. On est carrément. En vrai, moi j'ai passé une bonne soirée. Je suis ultra fatigué, mais j'ai passé une bonne soirée. J'ai bien rigolé. Merci à vous d'avoir été là avec moi. Et... c'est trop lourd la fin. Est-ce que Joyka, on les laisse avec la prod. L'épisode 2 sera sur la chaîne de Joyka. La suite, là, la semaine prochaine. Et voilà, quoi. On est carrément ensemble. C'est pas comme ça sort. Non, c'est dimanche prochain, je pense. Et dimanche prochain, pas cette semaine, l'autre. Bonne soirée, tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on laisse la prod. Péter un câble maintenant. Moi j'ai tué la chimie, putain. Demain ce sera cool, Les petits refs, il était tard et j'étais grave fatigué. Donc j'ai carrément oublié dans l'outro de la vidéo de vous dire qu'on avait reversé toutes les sommes à une association. Voilà, on a choisi la SPA parce que en ce moment c'est l'été, bah, y a l'été qui arrive, etc. L'abandon des animaux, etc. On connaît tous. Du coup, on a voulu soutenir la SPA. On a tout reversé. Dans la vidéo de Joyka qui viendra une semaine après, ça sera pareil. Donc voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir été là. Sur ce, des gros bisous tout le monde. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Vous êtes les boss, changez pas. On est carrément ensemble. Et voilà, merci pour votre soutien. Bon, bah, voilà, voilà, j'ai fait ma petite donate. Bon, après les paris, le don à la SPA, c'était pas d'abandon. Voilà, les chats, les chiens, les souris, les espadons, les ours nains, les chefs, tout ce que vous voulez, on est ensemble, pas d'abandon cet été. Adoptez.